Salut, donc un petit peu de force encore une fois, toujours pour le fun. Suite à la présentation d'un code basique pour le compte de silicium, très rapidement, je me suis amusé à le convertir en force, tout simplement, sur GNU Force. Concrètement, le code fonctionne de façon excessivement simple. Bon, un random seed, une variable pour la valeur, une variable pour la valeur utilisée par l'utilisateur, trois essais. Présentation de la question, saisie en s'assurant que ce soit bien un nombre. Si c'est égal, bah c'est gagné et fin. Sinon, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus? Est-ce qu'on a déjà fait les trois itérations? Auquel cas, même si on n'a pas déjà deviné, bah c'est trop tard et on a perdu. Et bien sûr, la boucle du jeu, qui boucle donc 1, 2, 3 fois. Donc en termes de syntaxe, il n'y a rien de spécial. Donc ici c'est une condition si c'est égal, si c'est supérieur, si le nombre d'itérations est déjà au maximum, donc à 2, 0, 1, 2, ça fait bien 3 valeurs, donc bien 3 tours. Et bien sûr, je m'assure qu'en quittant, je quitte avec un exit code 0 pour que le système d'exploitation interprète bien une fin de programme propre et pas une fin de programme erronée ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, on peut s'amuser un petit peu, et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait ici, dessine-moi l'algorithme du code que j'ai fait. Et donc, ChatGPT s'est exécuté et m'a fourni un code. M'a fourni un code qui, manifestement, fonctionne parfaitement puisqu'il a bien trois branches de conclusion, dont une qui va vers le cas où on a fini les trois essais. Ce qui fait bien quatre branches, quatre conditions au total. Gagné, plus grand que, plus petit que, fin des trois essais. Ça fait bien quatre. Et j'ai bien quatre branches. Donc l'interprétation algorithmique est parfaite. Normalement, évidemment, on fait rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire qu'on dessine d'abord ça sur un bout de post-it, ça nous dit qu'est-ce qu'on va faire, à partir de là, on le réadapte pour que ça s'adapte au langage, et une fois qu'on a le langage correspondant, on vient faire le code. Donc là, évidemment, j'ai fait l'inverse parce que le code est extrêmement petit et que c'est juste un exemple. Donc voilà pour la petite blague de force du jour. Excessivement simple. La seule difficulté concrètement ici, le seul truc un petit peu tordu si j'ose dire, et encore c'est pas vraiment tordu, c'est ici le pad dup2 accepte est-ce que le string saisi est bel et bien un nombre? Si oui, je le store dans ma variable. Il n'y a vraiment que ça qui est un petit peu tordu à comprendre. Et puis surtout la petite manipulation de stack derrière qui est indispensable, mais ça c'est lié au langage lui-même, ça ne se devine pas. Après on peut dire, ah oui, mais pour un programme aussi simple que ça, du basique c'est mieux. Bah oui, évidemment. Plus le programme est simple, moins le force a d'intérêt. Plus le programme est complexe, plus le force a d'intérêt sur du basique. Mais bon, ça c'est un débat éternel des langages interprétés. On va pas rentrer là-dedans. C'était juste pour faire un petit exemple très très rapide.